Yo tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? C'est super. Vous allez bien aussi? Oui, on espère que tout le monde va bien. Je crois qu'on a des invités aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on est avec Léna, Elias et Benjamin et papa et Sophie. Et on se retrouve pour quoi? Un méga caca. Un caca géant, on va s'éclater là. On est dans un gros château là. Très spécial, vous allez comprendre pourquoi. Et du coup on va se cacher tout simplement. Donc vous connaissez le principe de cache-cache, je crois, hein, il y a une personne qui compte et qui doit trouver tous les autres. Voilà. C'était vraiment très intéressant. Dans ce château, on a 3 étages. On a le droit de se cacher au premier et au deuxième étage. Et la première règle, c'est de pas aller au troisième étage et de pas aller dehors. Bref, j'ai qu'une seule chose à dire. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Du coup, on va choisir qui va compter. 1, 2, 3. La minorité, c'est nous 3. Allez, vous 3. 1, 2, 3. On va tous s'équiper d'une caméra. Non mais regardez-moi ça, toutes ces caméras, là, tout ce matos, on va faire un de ces films. Pour les plus jeunes, c'est les GoPro. Vas-y. Hop, moi je prends celle-là. Moi je prends celle-là parce que j'aime bien la petite peluche qui... Tenez-vous prêt pour le premier round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va se cacher tous les deux avec Swan, ok? Ok. Go, 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 je te suis. Allez, go. Jamais. Tu veux cacher avec moi, chérie? Si tu veux, tu peux passer une cachette comme une. Bon, moi, je vais me cacher à l'étage, je pense. J'ai aucune idée pour l'instant de cachette, mais c'est pas grave. On est parti. C'est parti. Bah attends, direct, moi, je vais en haut. Moi aussi, je vais en haut. Déjà, est-ce qu'il vaut mieux aller en bas ou est-ce qu'il vaut mieux aller à l'étage? Ah, alors il peut y avoir ça ici. Là, je peux peut-être me mettre et je pense qu'il va pas me trouver tout de suite. Ça peut être une idée. Ou là. Ah ouais, mieux là. Ouais, je vais me mettre ici. Je suis juste ici, voilà, derrière le rideau. J'ai un petit trou là. Moi, je vais aller au fond de la maison. Hein. Regardez-moi ces endroits là, trop bizarre. Mais c'est tellement grand, regardez-moi ça. En vrai, ici, je peux me cacher, je pense, mais il fait tellement froid. En vrai, c'est pas mal. On va voir s'il y a autre chose quand même. Là, il y a une espèce de cheminée. Ah non, on va pas aller. Je rentre pas, c'est un lavabo dedans. Oh, je panique, je panique. Ah là, ah, c'est pas mal. Il caille ici. Il y a un petit siège pour que je m'assoie. Je me mets là, moi, dans le placard. Allô, on se met derrière les rideaux. Mais non, ça va être cramé. Il y a un placard, il est bien, ce placard. Viens, on va chercher. Vas-y, vas-y, vas-y. Rentre, rentre. Oh my god. J'ai envie de faire pipi. À chaque fois que je fais des cache-cache, j'ai envie de faire pipi. J'entends Elias et Swan. Mais toi comme ça, regarde, ça fait de la lumière. On communique avec Elias et Swan. Toc toc, qui c'est? Tu te caches où? Salle de bain. Derrière les fauteuils, ça peut être marrant. Allez, on va aller se cacher derrière les fauteuils. C'est parti. C'est pas très propre, hein. C'est super sale. Tu veux un coussin? Ouais, je veux bien, ouais. Merci. T'es où? C'est pas infaillible, hein. Il y a une ouverture ici, il y a une ouverture là, on peut quand même facilement le trouver. On va dire que pour une première cachette, c'est pas mal. Et là, imagine, tu vois quelqu'un surgir à côté de moi. Je regarde trop de films d'horreur, faut que j'arrête. Vas-y, j'éteins. Oh, on peut raconter des traits d'horreur là. C'est l'histoire d'un petit Swan qui se promenait en forêt. Et d'un coup, un grand méchant loup Néo l'attaqua. Swan essaya de s'enfuir, mais le Néo le mangea. Y'a quelqu'un ici? C'est moi, c'est vrai. Oh, tu m'as fait peur! C'est où elle est, ta mère ou pas? Pas du tout, je sais pas du tout où elle est. Bon, bah maintenant, y'a plus qu'à patienter. T'as perdu le carnet? 50. Ok, c'est parti. Tu penses qu'ils sont en bas ou en haut déjà? Bah, déjà, le château est très grand. Donc, il faut procéder par, je pense, étage. Donc, on va commencer par le rez-de-chaussée. Cette table est très grande. Beaucoup de personnes. Je pense que la maison en France où il y a le plus de placards. Y'a personne. Il va mettre une heure. On n'est pas à l'abri de trouver quelqu'un d'autre que quelqu'un qu'on cherche. Moi aussi. La salle de pillage, je la squeeze. Combien de pièces? Ça y est, j'entends du bruit. Personne derrière les rideaux? Non mais si tu l'aides aussi, là. Pourquoi tu lui donnes des infos? J'entends du bruit. Sophie a été trouvée. Il y a quelqu'un derrière les rideaux? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller les rideaux qui cherchent. Je te jure que je t'ai cherché partout, je savais pas où t'étais. Elle était trop heureuse d'être cachée. J'ai été la première trouvée, puis alors rapidement. On va passer à l'étage, hein. Non, on arrive à l'étage. C'est quoi ça? Ah mais c'est les toilettes. Les rideaux, les fameux rideaux. Je suis pas très fort ou ils sont très bien cachés? Ouais. T'as pas regardé sous les lits dans les autres chambres. Les gars, je me tape mon meilleur Clash Royale là. Bah voilà, merci, j'ai enfin gagné. Dans la malle. C'est pas facile, hein. Punaise. Benjamin vient de passer, il m'a pas trouvé. Ils ont cherché dans la malle, dans l'armoire, dans la salle de bain. Bien caché, c'est fort. On veut me piéger, on veut me piéger. Tu peux rien cacher. Je suis nul, hein. Sûr.
Allez. Voilà, les yeux, ouais, les ouf, s'il est là, franchement, il saute quand même. Il manque combien de personnes à trouver là? 1, 2, 3, 4. Il manque 4 garçons hein. Ne sais pas que c'est Milan dans les matchs. Il y en a qui ont disparu. T'as pas froid? Non, ça... T'as okay. Tout fait là, ça veut dire que t'es passé à des endroits et tu ouais, vois pas. Ouais, ça veut dire que t'es passé oh. Devant eux. C'est qu'ils sont chauds alors. Sachant qu'on a quand même dans le lot une personne assez imposante, on va pas. Oh là là, fais attention, c'est ça fini. Tire à balles réelles. Hein. C'est lui qui voit les roches, attention. Tout le monde les gère, du coup. Sortez là. C'est juste là. Il reste le boss du cache-cache. On est sûr que Greg a pas pris la voiture, il est pas parti. Greg. Tu m'as un indice, t'étais très proche de lui à un moment donné. Aïe 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 aïe. Même Sophie, elle l'a pas vu quand on est passé à côté. Oh, je crois que j'ai vu une petite chaussette. C'était bien un petit coup de sang. Non, il a ma franchement, ah bien oui, joué. Il est bien, il a pris son temps. Ah, ça commence à être long. C'est lui passé. Mais je sais que j'avais même pas dit que c'était une cheminée. Je me recroquais tant que je pouvais là. Pourtant, ma gueule, c'était pas génial. Bon, bah, du coup, qui compte? Bah, moi. Et... C'est l'heure du deuxième round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est parti pour la deuxième manche. Partie 2. Partie 2. On va essayer de pas se retrouver cette fois-ci. De partir à minuit ce soir. Faut que piailler les deux derrière moi là. Est-ce que je vais à l'étage ou pas? Oui. Moi je retourne. Je cherche. Chambre rouge, trop facile, trop simple. Il y a un endroit. Mais il faut vraiment que tu sois bien dans. Elias, va dans la malle. Je trouvais ça une bonne idée de se mettre derrière les rideaux. Mais j'ai peur qu'elle me trouve direct. Bon, on va tenter. C'est pas grave. En plus, il y a le chauffage juste ici là. Je peux vous dire que je suis vraiment très bien. Ah, je peux me cacher là, avec la chaise devant. Est-ce que je rentre là-dedans? C'est toi qui es ici. C'est bon là, je passe incognito. Merci. Attends, mais c'est petit. Ah, moi j'entre pas, laisse tomber. J'entre pas dedans. Enfin, Benjamin il a fouillé toute la maison. Maintenant, du coup, je sais que c'est pas mal. Donc là, je vais mettre le matelas devant. Je pense qu'on rebouge demain matin. Voilà, là, je suis caché dans, on dirait, un espèce de cellier où le mec met toutes ses affaires. Il y a 4 matelas derrière moi. Normalement, je suis tranquille. Bien, je connais un endroit, mec. Coucou. Qu'est-ce que tu fouilles? Ok, derrière là. C'est bon, elle bougeait pas par contre. Hein. Sinon, on se cache dans la même chambre et on se cache pas au même endroit. Comme ça, si elle trouve quelqu'un, elle se dira pas, il y a quelqu'un juste à côté. On est cramé à 1 milliard de pourcents. Là? Non, vraiment, j'en ai marre de la carte. Mec, on peut être crevé. Est-ce que je rentre là-dedans? C'est impossible, je rentre pas là-dedans. Léna? C'est vrai, je change. Je vais changer. Tu vois, ici, c'est pas mal. Merci. On te voit dans le reflet, par. Bon, bah, j'ai changé de cachette parce qu'apparemment, c'était nul. Parce que je vais me mettre derrière le matelas. C'est pas mal. Voilà, je suis caché derrière un matelas. C'est pas très confortable. On se cache là. Elias et Swan, ils arrivent pas à se cacher. Alors que c'est les plus petits. Là, il y a caché du monde. C'est chiant. On est parti. Oui, c'est bon, on est caché. Mais où il était là tout à l'heure? Oui, on s'en fiche, on s'en fiche. Ok, d'accord, vous restez là. Okay. Pas mal ce petit jeu. J'espère qu'on va pas me trouver en premier. C'est tout ce que je demande. J'ai pas envie de compter. Je retourne voir Sophie. 49, 50. C'est parti. On va tous les trouver en un temps record. J'espère. On commence ici par la salle de billard. Est-ce que quelqu'un peut rentrer là-dedans? Non, c'est un peu petit. Ouais, non, ça c'est trop petit. Ok, donc là, il y a personne. Sur le billard, il y a pas. Ah, le Sophie. Ah, le. Là, cette armoire, on a dit non, parce qu'elle est pas hyper solide, donc normalement, tout le monde a respecté la règle, il y a personne. Ici, non. Par contre, peut-être derrière l'armoire. Ça, c'est possible, en revanche. D'ici, c'est pas possible. Et de l'autre côté, non, il y a personne. C'est bon. Dans cette salle, il n'y a pas. La dinguerie de gros malade. Là, il n'y a personne. Les rideaux, je sais que c'est une bonne cachette normalement. Mais maintenant, t'as raconté ton histoire, personne ne va se cacher derrière les rideaux. Ouais, c'est ça. Alors ici, ça aurait été. Ah, oh, ça aurait été une bonne cachette. Ouais, c'est petit ça. Hein. Oh, mais c'est trop petit ça. Non, il n'y a personne.
Non. Non plus. Là, un rideau, deux rideaux. Non. Je suis sûre qu'ils sont tous mis à l'étage, comme ça, ça va me prendre 3 jours pour les trouver. Attends, ça donne où ça? Ah non, il y a un truc derrière. Il y a quelqu'un derrière qui a pied comme ça. C'est possible. Ah non, c'est une bibliothèque. Pour l'instant, en bas, on n'a rien. Le WC. Quelqu'un s'est caché dans le WC. Non. Alors, la salle à manger, donc ça, on n'a pas fait. Ah, la salle à manger, il y a de la cachette là. Là, il y a un gros rideau. Là, il y a encore du rideau, mais c'est pas assez large. Ah là, il y a des gros placards. Ah non, il n'y a personne. Je crois que pour l'instant, elle a trouvé personne. Je crois qu'elle se rapproche un peu. Il n'y a personne. Sportif se cache cachant. Donc c'est à l'étage. C'est parti. J'espère que j'en ai pas oublié au rez-de-chaussée. Ok, elle est montée à l'étage. Oh là là. Donc déjà, elle regarde de ce côté-là. Donc là, c'est sûr qu'elle peut pas voir. Elle regardait là. Je me suis recroquevillé, mais max, là, tu vois. Du coup, elle m'a pas vu. Ça s'est joué à quelques millimètres près. Les gars, j'ai fermé les yeux comme un gamin, moi, quand on ferme les yeux, disparaît la réalité. On me voit. On ne boit plus. Elle va faire le tour partout. Elle va chercher comme jamais. Elle va en trouver plein, c'est sûr. Et si ça se trouve là, je serais peut-être le gagnant du cache-cache. Oh, regarde! J'en avais un comme ça quand j'étais petite. Toi aussi. Donc viens, on s'installe là et on joue. On va commencer par là. J'entends Sophie. J'espère qu'elle a pris l'autre côté. J'espère qu'elle va pas me trouver. Alors ici, salle de bain douche, il n'y a personne. La malle. Non, des vêtements, tout ça. Non, il n'y a rien. Là, la cachette de Greg était super. Personne l'a reprise. Ici non. Rideau. Sous le lit, à personne non plus. On avait fait notre séance de sport en même temps. La douche. Non. Les WC. Non. Oula, le rideau. Ah, ça aurait pu. En plus, il était fermé. J'ai trop cru. Il a été le petit battement de cœur. Je me suis dit, ça y est, je vais en avoir un. Et le lit, non. Ils sont où? J'ai encore changé de cachette parce que là, c'est vraiment pas mal. Non. Personne, personne, placard. Ok, restez ouverte, ça c'est marrant ça. Ça sent la cachette avortée ça. Derrière la porte, non. Je crois qu'elle a trouvé quelqu'un. Non, elle a pas trouvé quelqu'un. Oh purée. Non. Les étoiles blanches, vous trouvez pas? Ils sont allés se cacher dans une autre maison en fait. Le dressing. Il y a quelqu'un là. Là, ça y est. C'était bien j'en mieux que le rideau là-bas. Au moins trouvé une. Bien joué. Eh, hey, ta cachette était excellente quand même. Oh, purée. Excellente. Parce que David t'étais où? J'étais là. Et c'est toi qui compte. Une grande armoire. Non. Là, non. L'armoire. Non. Il y a personne ici. Ça fait un moment que je galère en vrai. Ah, le matelas a bougé ici. Voilà. C'est ça. Allez, quand même. Allez, dis ça. J'ai trouvé Léna juste avant toi. Ah ouais, tu t'en sors bien. Je sais pas, je vais prendre bien. J'ai fait tout le reste, il me reste plus que ça en fait. Hein. C'est la folie quand même. Là, il y a personne. Salle de bain. Là, il y a personne. Et là, il y a personne. Oh, mais ils sont tous dans la même pièce ou quoi? On va vénicher sous le lit. Il y a personne. Non, mais c'est une blague. Comment c'est possible? Attends. Ah, ça fait sur la... Ah, là. Voilà, déjà. Déjà, on en a deux là. On en a deux. Il y a que vous ou il y a encore une personne là? Non. Non, je crois pas que vous. Il y a que vous. Oh. Non, non, il y en a un autre là. Il y a Benjamin. Mais comment c'est possible? Vous étiez dans la même cachette et ils savaient pas. Non, mais moi je me suis caché là dès le début. Je sais pas ce qu'ils sont partis faire là et ils sont venus. J'ai rien dit et ils font Benjamin, t'es là? J'ai répondu pas. Et j'ai entendu parler depuis tout à l'heure, ils faisaient du beatbox et tout. C'est moi, il manque Néo là. Il manque Néo. Dernière chambre, donc Néo est forcément là. Il est pas là. Néo il aime bien le froid, j'ai remarqué. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est les pièces, on va en dernier, tu sais. Ouais, c'est pas trop. Il est pas là. Est-ce que tu veux un indice ou quoi? Ah oui. Elle était très proche de lui dans ta première partie de recherche. Donc il est au rez-de-chaussée. Peut-être qu'il a changé, hein, je sais pas, mais. J'ai tout fouillé, qu'est-ce que j'ai pas fouillé? Attends, non, il y a personne là. En début de recherche, j'ai pas commencé. C'est pareil, j'ai commencé par la salle de billard. Je peux pas être dans l'armoire, on avait dit pas l'armoire. Tout est épluché. Ça peut pas être là-dedans. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'aurais raté? Non, c'est un placard ça. Mais il aurait pu être là, mais non. Un beau placard caché. Ouais, ouais, celui-là on est pas vu, tiens. Il peut pas être dans une valise, c'est pas possible. Non, mais là j'en arrive à des recherches complètement absurdes quand même. Hein. Possible. Oh, j'y crois pas. Ben là. Bonjour. Je suis pas allée au bout. Mais c'est oui, pas maman, possible. C'est incroyable ça. Le pire, c'est que pendant que j'étais caché avec maman, t'as côté, tu m'as envoyé un message. Oui, ça fait un ting. C'est hyper fort. Quand d'un coup, t'arrives, tu fais ça, j'étais comme ça. Oh, c'est voilà. Bravo. Bah, t'es le dernier là. Bah, yes, let's go. Let's go. Yes. C'est qui a perdu? C'est Léna. Ah.
Le temps est maintenant venu pour le troisième et dernier round. 1, 2, vas-y, plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, c'est parti. Allez, on va trouver une nouvelle cachette. L'objectif est deux fois dernier. Hein. C'est le troisième et le dernier round, donc là, il faut tout donner. Donc moi déjà, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, les personnes cherchent au rez-de-chaussée et montent à l'étage après. Vu que c'est le troisième round, peut-être que Léna va faire à l'envers. Je vais essayer le rez-de-chaussée. Néo, demande des cachettes, Néo. Bah, j'ai beaucoup de chance, Polo. Tu es champion. Bah, champion. T'es l'ancien champion, toi aussi, je le dis. Ah, c'est vrai, bah. On s'y cache ensemble. Ouais, non. On est énorme. On se cache où, mec? Non. Ah ben on va aller en haut. En vrai, une cachette spéciale, ce serait une toilette. Pire idée. C'est quoi là? Cachette derrière le tapis là, là-bas, au fond. C'est jouable, mais c'est pas très propre. Hein. Bon, jouable. Je pense que ça marche. Un petit bonbon, passage. Un petit bonbon. Un petit truc bonbon. Vas-y, c'est un petit cake. T'as plaisir. Je voudrais essayer là-dessous, mais c'est pas du tout sûr que je tienne. Ou alors ça va peut-être pas être très confortable, mais je vais tenter. Voilà, donc si je mets mes jambes en premier... Oh, je vais jamais tenir. Attends, comment je peux faire? Je suis en train de tout casser. Oh non, je me suis coincé les cheveux. Déjà récupéré mes cheveux, c'est bon. Bon alors voilà, je suis là. T'as trouvé, chérie? Oh, tu m'as caché. Oh, mais alors comme c'est pas confortable. Je vais prendre la table à côté pour être caché en couple. Ah non, mais tu pourras pas rentrer, hein. Elle est trop bien cachée. J'ai tellement pas d'espace, c'est la folie, regardez ça. Ça donne ça. Je suis sous la table. J'ai hyper chaud en vrai. J'aurais dû enlever mon sweat avant de me mettre là, zut. Regarde là. Oh ouais. Il m'a caché de ouf. Bon, moi, on est bien installé, on va dire. Une crame à 100 milliards de pourcents. Vraiment, non, pas celle-là. C'est la dernière, là, enfin, on trouve une bonne cachette. C'est pas fascinant. Là, ça peut être pas mal. J'aurais jamais caché là. Ça me semble un peu facile, quand même, ici. Je prends des bonbons en réserve. Attends, on suit Néo. Néo. Ah, vous galérez, vous aussi? Ouais. On est ruinés en cachette. On suit, nous. Vous me suivez, mais on n'y arrivera jamais. Ouais, là, c'est une bonne idée, en vrai. Non, venez, je connais un endroit. Ça me pousse bien, oh, tous les matelas verts. Mais là. Tellement. Oh, allez-y, let's go. Mais on va nous trouver 100% sûr. Viens. Vas-y, on se cache à une chaise en plus. Allez, on peut jouer. C'est trop grand. C'est immense. Je me cache là et je mets le truc de cheval. C'est moins confort que tes autres cachés. Des flags un peu. Je croise les doigts. Oh, c'est tellement pas confortable. Tu caches, je sais pas encore, je trouve pas. Trop évident ici. Rigolo là. C'est là où était Sophie la première. C'est vrai? Ah ouais, c'est trop facile. Non, je roule pas. Bon, je vais me cacher là finalement, dans ce placard là. C'est un peu dégueulasse. C'est plein de poussière! Ah, Berk! C'est dégueu. On croise les doigts pour pas être trouvé. T'as un truc 49,50. Okay. C'est parti. On est sous la table? Non. Là, sous la table. Non, là, y'a personne déjà. Allez, allez. Moi, je reste pas 3 heures en bas. Il vient de passer à côté de moi, à 5 cm. Ouais, mais là, c'est trop dur pour se cacher, je pense. Ça y est, j'entendais pas. Quelqu'un qui arrive là. Je commence à avoir mal partout. Oh là, c'est vraiment pas confortable. Oui, là, j'entends du bruit, Il y a du bruit là? Ouais, j'entends du bruit en haut. J'arrive! Elle m'a pas vu. Oh là là, j'ai tellement mal partout, j'en peux plus. Bon, Evoli. Non, ici, y'a rien. Y'a personne devant moi. Non, pas ça. Et ça fait plus de 10 minutes que je suis cachée. Oh là là, j'ai mal partout. Non, y'a personne. Ils sont petits. Ah. Non. Oh putain, ça va. Mais ça va, c'est bon. Non! Oh, je me suis fait assommer! Ça fait mal! Néo, il est trouvé! Je suis le premier? Non! Ah, elle était pas terrible cette cachette, hein! Sous lit, c'est vraiment pas très. Ouais, c'est classique! Bon, mais ils sont de l'autre côté alors, les enzoules! Là, il ne peut y avoir personne! Je regarde quand même ici! Occupé! Ah, ils ont sonné tel que! Laissez-nous tranquille! Occupé! Ah, d'accord! T'es sur le lit, t'es en game là? Tu sautes sur le lit. De ouf.
personne sur ce truc là. Je crois qu'il y a personne. J'ai vu qu'il y a quelqu'un. Oh non. Il y avait quelqu'un en dessous. Oh. Et là, il y a des murs qui ont été déplacés. Il y a des trucs qui ont été déplacés, je sens. Tu sens, mais bon, tu trouves plus. Bah non, non, putain. Mais là, personne y va. Bon, j'ai forcément raté un truc. Ils sont en bas, là, franchement, vraiment. Je sais même plus où ils sont cachés. Et Sophie, je sais pas où elle est du tout. Ça fait plus d'un quart d'heure que je suis cachée maintenant. Ça s'agite à l'étage là, ça y est. Y'en a quoi été trouvé. Quand même, là j'aurais pas pu rater. Je crois qu'ils sont tous en train de me chercher. Je suis toujours sur ma table avec mes chaises. Peut-être je vais dormir ici, peut-être. Putain câble, je veux putain câble. Oh purée, ils vont m'énerver. Allez, petite dégustation d'un bonbon Pikachu. J'étais persuadée que tout le monde allait être en haut, mais là déjà c'est quelque chose ici. Quelqu'un? Non, mais là, personne s'est mis là, c'est pas possible. Comme il est chaud. Il est passé, il a touché mon tapis, il a rien vu. C'est un cachette ici, il serait pas allé là quand même. Ah non. Ah. Ah. Mais non, mais pas du tout. Mais pas. Ah, il y a Pokémon. Ah ouais, mais trop stylé. Le tour retourné, ils sont en haut alors. Crème, c'est qu'il y en a deux en bas. Ah ouais. C'est incroyable, c'est ça tombe sur moi. J'ai une crampe qui arrive. Peut-être qu'ils m'ont oublié en fait. Là, j'entends des voix. Mais je vais être le dernier. Ils sont juste à côté. Je pense que là tu refroidis. C'est très drôle de l'avoir pris une partie là. Un petit indice, c'est au début de ta recherche. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un ici là, franchement, c'est possible. D'accord, donc là il y a quelqu'un dans ce tiroir apparemment. Il y a un tiroir évidemment, il est coincé en cube comme ça. Il doit y avoir un truc très lourd, je pense, sur la chaise. C'est genre un poids sur la chaise. Du plomb. Qu'il y ait quelqu'un. Non, mais sérieusement. Mais c'est la meilleure cachette qui existe. Mais t'es introuvable là. Le pire, c'est qu'on le voit. Hein. Quand on regarde au sol, on le voit. Ah ouais. Je te mets les yeux. J'ai vraiment une vie. Ah, la meilleure cachette. Elle est trop drôle, la cachette. T'as bien dormi? C'est là combien de temps? Ouais, peut-être que je suis sous un tapis. C'est dégueulasse. Je vais finir par faire une sieste. Un autre indice, t'étais toujours pas loin de ta première recherche. Ah ouais? Il est pas là-dedans quand même. Mais non, j'ai pas osé, je me suis dit jamais personne va se mettre là. Mais c'est pas possible. Y'a personne, tu vois. Peut-être saute dessus. Ça fait rire, ça. Je t'assure. Je peux pas bouger de rire, c'est pas possible. Bravo! Incroyable! Et là, il reste Sophie. Elle, personne ne sait. Personne. On sait pas. Je sais, voilà. C'est vrai. Ah ouais? C'est en bas. Elle a une bonne cachette. Ça fait 25 minutes que je suis cachée là-dessous. J'ai mal partout, j'en peux plus. Et j'ai plus de batterie. Ça va couper juste au moment où elle va me trouver, je crois, parce que je les entends arriver. Sophie! Sophie! Où es-tu? Elle s'est cachée dehors, c'est sûr. C'est pas possible que je sois en dessous. Là, tu vas pas trouver, j'y crois. Oh non! Non mais j'aurais jamais trouvé, c'est pas possible. Vous avez fait exprès de faire un effet de fil. C'est moi qui. J'avais pas. J'avais pas compris comment ça tournait là. J'ai hyper chaud, j'ai mal partout. Level supérieur. Mais ça valait le coup. J'ai soulevé la table pour me glisser dessous. Je me suis coincé les cheveux dans le pied. J'étais là. Oh mais c'est la fin de ce cache-cache. C'était incroyable. C'était la folie. Bonjour les courbatures demain, pour ceux qui avaient des cachettes un peu spéciales, mais... N'est-ce pas, oui. Il y avait des super cachettes en fait. C'était lesquels vous préférez? C'était les Mathias. Ouais, alors quand vous étiez tous les trois, oui. Là, c'était sympa. Ah, oui, c'était bien. Sympa. Moi j'ai bien aimé celle de Sophie quand même, c'était vraiment... Ouais, j'avoue. Incroyable. J'aurais été curieuse de voir celle de Benjamin quand même. Bah dites-nous en commentaire quelle est la meilleure cachette d'après vous. Ouais. Voilà, ouais, c'est décidé. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et à tout la cloche, on vous fait un gros bisous. Bonjour, bye. Et merci encore une fois à Léna, Elias, Benjamin d'être venus, d'avoir participé à ce cache-cache de dingue. On s'est éclaté. Bisous, bye bye. Bisous, bye bye.